Andiamo! Già! Misericordia! Oh, Gesù! Je ne dois pas rester là! Già! Andiamo! Via!
Le voilà.
Et nous vous offrons une poignée de chapeau. Et si vous faites l'acquisition de deux tripes. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ce misérable criminel, ce n'est pas un héros. Il tue sans raison pour le plaisir. Je propose des articles de ferronnerie exceptionnels. Approchez, mes amis! Je vends tous mes articles de ferronnerie! Si nous ne parvenons pas à se débarrasser, Dieu nous punira! Oh non, la belle l'empêche de pendre! Notre cité ne peut tolérer la présence de ce scélérat, de ce pseudo-dieu criminel! Vous voyez ce qui se passe? Pas encore. Bientôt, vous comprendrez. Thank you.
Assure-toi, ta mort fera des heureux. Pense aux enfants qui jetaient des pierres sur ton cadavre. C'est impossible. J'ai perdu sa trace. Là-bas, capturez-le. À l'arrière. Maintenant. Débordez-le. Essayons la route actuelle. On va tester son courage. Très ordonné, mais j'y connais bien mes artistes. Là-bas, faites-moi allez confiance, l'ami. Viens me chercher. Je te fais peur? Allez, viens. Je suis tout seul. Maintenant, tu vas mourir. À mort. Une petite pendaison, et ensuite on t'écorche, et on t'emporte, et on commence. Attaquez-le ! Mes amis, prenez le temps de regarder. Vous ne trouverez pas meilleur équipement dans tous les quartiers. Ne sois pas timide. Empêchez-le de sortir. Commencez à m'ennuyer. Oh ! Je ne savais pas que j'étais aussi... Qu'est-ce que tu attends ? 400 à mort ! Attends, pas de risque inutile. Ne t'assommez pas, son vraiment très oui. Tu vas leur raconter cette tous fois-ci, tes ta mère les secrets. Les secrets, pas de tout le monde. Attendez le bon moment. Essayez de le comprendre. Il te faut la permission de ta maman. Allez, viens. Meurs, merde. Surtout, n'oubliez pas ce que je vous ai appris. Tu sais, normalement les armes, c'est fait pour se battre. Maintenant ça suffit, cazzo! Tu veux ouvrir le... Assurez-vous que vos biens sont sous bonne garde.
Là-bas! Ne le perdez plus! Je suis qu'un idiot, je sais. Inutile de me dire. Entrez, mes amis. Je ferai en sorte de vous trouver quelque chose si vous revenez. Je peux soigner tous les malades. Un peu de repos, et vous serez comme neuf, l'ami. Cher Lyon, mépris. Signore, et parlez de moi à vos amis. Vous avez besoin d'un docteur ? Ce n'est pas un héros !
qu'il tue sans raison pour le plaisir. Il est monstrueux. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Le mari est démoniaque. Échappé des enfers. J'ai des hallucinations. Je le connais, j'en suis sûr. Je le connais. Il est là. Je peux pas t'échapper. Arrêtez.
Il est là! Oh non! Il va nous semer! Il est là! Hé, hey, le cadavre! Non. Le voilà! Là-bas! Là-bas! Ah, je le connais. J'en suis sûr. Attendez un peu, l'ami. Là-bas! Toi, tu n'iras nulle part! D'abord on se brûle, ensuite on t'emprunte, et on se pend au sommet de la seigneurie. Ugh.
laisse-toi faire ou ça va dégénérer, sale traite. Mais évitez de faire ça devant les gardes. La réputation de nos articles.
Et moi qui vous prenais pour un homme du peuple. J'ai récemment trouvé de nouveaux fournisseurs. Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Voulez-vous consulter les tarifs ? Bon voyage! Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre?
À bientôt, Ezio. Bien, voyons ce que tu sais faire. Bien joué, Ezio. Oui, il vaut mieux faire une pause. Bien sûr, je comprends très bien. Au revoir. Les clients se sont déjà Je comprends très bien. J'attends une nouvelle livraison de toute Venez façon. C'est déjà mieux, mais vous savez ce qu'on dit. Mieux prévenir que bien. Ezio, viens! Par ici! Merci, Ezio. Tu m'as sauvé la vie. J'ai fait ce qui s'imposait. Tu en aurais fait autant. Ça, j'en doute. La bravoure n'est pas mon fort. Maintenant, j'ai une dette envers toi. De rien. Tout le monde à bord! Le départ est imminent! C'est notre bateau. À nous, Venise. Votre invitation? Pardon ? Quoi ? Tu n'en as pas ? On n'entre pas à Venise comme dans un moulin. Qui vous a invité ? Personne. Basta ! Il vous faut une invitation. Rassure-toi, Leonardo. Je vais trouver un moyen. Faites quelque chose ! Aidez-moi ! Je vous en prie, j'ai besoin d'aide. À l'aide !
Madonna. Quelle galanterie. Vous devez plaire aux femmes. Je ne cherchais pas à vous impressionner. Je voulais juste vous venir en aide. C'est justement cela qui impressionne les femmes. Je vous remercie. Messer? Auditore. Mais de grâce, appelez-moi Ezio. Je suis Caterina. Alors, Ezio, nous allons bien trouver un moyen de vous remercier. Hmm? Vous n'auriez pas une petite idée? Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Je vous écoute. Oui, signora. C'est entendu, signora. Il ne vous causera plus de problème. Je peux vous l'assurer. Merci, Caterina. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Si jamais vous vous rendez dans la cité de Forli, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Je m'en voudrais de refuser votre hospitalité. Veuillez accepter mes plus humbles excuses, messere. Si j'avais su, je... Ne vous en faites pas, l'ami. Attention, Ezio. Tu sais qui c'était? Ma prochaine conquête. Ça m'étonnerait, Ezio. C'est Caterina Sforza, la fille du duc de Milan. Elle est mariée à... Mariée? Oui, mariée au seigneur de Forli. Cette femme est aussi redoutable et influente qu'elle est jeune et ravissante. Alors c'est tout à fait mon type. Ça va comme tu veux? Et même mieux que ça. Tes progrès sont incroyables. Incroyables? Tu exagères un peu. Alors, pourquoi on arrête? Une exposition prolongée à l'animus aurait... des effets secondaires. Génial. T'as aucune raison de t'inquiéter. Tu ne présentes pas de symptômes pour l'instant. Symptômes? Quels symptômes? Dédoublement de personnalité, hallucinations temporelles, troubles cognitifs, perceptions erronées, entre autres. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... Ce qu'on veut dire, Desmond, c'est que si tu ne fais pas attention, tu n'auras plus besoin de l'animus pour rejoindre tes ancêtres. Remarque, si tu arrives à te contrôler, pourquoi pas, mais jusqu'ici, personne n'a réussi. Sauf le sujet 16. Nous ferons attention, Desmond. Il l'avait laissé dans l'animus beaucoup trop longtemps, parfois des journées entières. Ça n'arrivera pas avec toi. Je l'espère. Bien, je voulais tester ta capacité de rétention. Voir si tu assimiles les aptitudes d'Ezio. D'accord. Parfait. Rejoins-moi en bas quand tu seras prêt. Je me demande ce que le sujet 16 a pu découvrir de si extraordinaire. Je n'en ai aucune idée. D'après Lucie, c'est en rapport avec le Codex, mais je n'en suis pas sûr. Si c'est aussi important qu'il l'a laissé entendre, ça m'intéresse. J'irais chercher moi-même la réponse si je pouvais utiliser l'animus. Seulement voilà, au lieu de ça, je suis assis là, et je reste sur la touche. Qu'est-ce que tu fais? Attends, tu me surveilles, c'est ça? J'essaie de localiser les autres pages du Codex, voir s'il en reste dans la nature. Et? Ça ne donne pas grand-chose. Il y en aurait une, dans les archives de la Bibliothèque Centrale Nationale, à Florence. Et les autres sont sûrement chez des collectionneurs. Des Templiers, probablement. J'enverrai bien quelqu'un sur place, mais nous manquons de personnel. Pourquoi le Codex se serait retrouvé en Italie? Tu es vraiment sûr de toi? Dante Alighieri, par l'intermédiaire de Marco Polo. Tu es sérieux? Je crois que ça remonte à l'an 1321, Je dois encore récupérer les informations, mais ce que je sais... C'est que Marco Polo a rencontré les assassins quand il a été reçu par Kubilai Khan. Je parie que c'est à cette époque qu'il a récupéré le Codex. Ensuite, de retour en Italie, il l'aurait aussitôt remis à Dante. On soupçonne Dante d'avoir été lui-même un assassin,
Mais j'ignore ce qui a poussé les deux hommes à se rencontrer. Mais j'y pense. Il y a un moyen de le savoir. Lucie n'apprécierait pas qu'on s'amuse avec l'Animus. Oui, c'est vrai. Et on a déjà de quoi faire. Tant pis, je contenterai ma curiosité une autre fois. Comment tu as atterri ici, toi ? La plupart des assassins sont nés au sein de la confrérie. Tu es bien placé pour le savoir, Desmond. Mais ce n'est pas mon cas. Ça y est, Irmessa. Quoi ? Je réponds à sa question. Bref, j'ai toujours été fasciné par les phénomènes inexpliqués. Et là, on peut dire que je suis servi. C'est comme si la vie était plus intéressante, plus mystérieuse qu'on aurait voulu nous le faire croire. Et quoi ? Tu es tombé sur les assassins par hasard ? Non. Je suis d'abord tombé sur les Templiers, en fait. Abstergo est une grosse compagnie, beaucoup trop grosse. Alors il y a des fuites, fatalement. Comme ce scandale autour du fluoride. Il y a des années, j'étais à l'affût de ce genre d'affaires. J'avais quoi, 14, peut-être 15 ans. Tu savais qu'Abstergo appartenait aux Templiers ? Non, je l'ai découvert plus tard. Mais j'ai tout de suite compris qu'il se tramait quelque chose. Alors je me suis mis à enquêter sur la compagnie. J'ai posté des messages sur les groupes de discussion pour divulguer ce que je savais. Trouver des témoins qui pourraient me renseigner. Et tu as attiré l'attention d'Abstergo ? Heureusement, j'ai surtout attiré l'attention de Rebecca. Sinon, j'aurais fini au fond d'un fleuve. Y a pas de quoi. Elle m'a mise en garde. Pour elle, il ne fallait pas plaisanter avec ces gens-là. Et comment t'as réagi ? Je t'ai prise pour une cinglée. Mais maintenant, tu me connais. J'ai compris que tu es seulement dérangée. Bref, pour faire court, j'ai sauvé sa peau. Et pas qu'une fois. Finalement, j'aurais peut-être dû le laisser se débrouiller avec les types d'Abstergo. Je me demande ce que j'aurais fait sans toi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un don, Desmond. J'ai un don pour voir les choses. J'établis des connexions, un peu comme ta vision d'aigle, mais en plus utile. On lui a proposé de nous rejoindre. C'est exact. En même temps, est-ce que j'avais le choix ? C'était ça ou être en cavale, traqué par l'organisation la plus puissante de la planète. J'ai seulement choisi de vivre, et comme je suis un peu fou, j'ai décidé d'accepter. Depuis, je mène des recherches, j'effectue des analyses, et accroche-toi, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je garde un œil sur les autres équipes. Quelles équipes ? Les Templiers tentent de trouver les autres fragments d'Éden à l'aide de la carte que tu leur as fournie chez Abstergo. Heureusement, Lucie nous en a apporté une copie, ce qui nous permet de les chercher, nous aussi. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça se présente pas trop mal. S'ils trouvent un seul de ces fragments, on va avoir des problèmes. Oh, vraiment, tu crois ? C'est justement pour éviter ça que nous te formons. Quand tu auras toutes les aptitudes requises, nous pourrons t'envoyer sur le terrain. Et toi, alors ? Pourquoi tu n'y vas pas ? Parce que mes compétences s'exercent dans un autre domaine, et pour être honnête, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais ne te méprends pas, Desmond. Je suis un assassin jusqu'au bout des ongles. J'ai déjà tué des hommes, et je sais que je recommencerai. Simplement, le plus tard sera le mieux. T'as fait du bon boulot aujourd'hui. T'as ça dans le sang. Merci. Je commence à m'habituer. Faut dire, vu les conditions dans lesquelles je faisais ça chez Abstergo, c'est bon de vrai pour la bonne cause. La bonne cause ? Ça reste à prouver. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre ? Au cas où tu l'aurais oublié, Rebecca, nous sommes tous des assassins, ce qui revient à dire que notre mission consiste à assassiner des gens. Seulement quand il le faut. C'est un choix. Toi, tu as choisi de tuer. Je n'ai jamais tué personne. Pour le moment. Mais pourquoi es-tu ici, d'après toi ? Que feras-tu avec les aptitudes d'Ezio, celles que Lucie tient tellement à te voir assimiler ? Tu construiras des écoles en Afrique ? Tu enverras du riz aux populations qui meurent de faim ? Tu serais bien le premier assassin philanthrope de l'histoire. Prendre une vie n'est jamais facile. Personne ici ne prétend le contraire. Mais que cela te plaise ou non, c'est parfois la seule solution. Desmond, si nous voulons vraiment que les choses changent, la mort de certains individus est inévitable. Elle marque un point. Mais ne va pas t'imaginer que tu n'as pas le choix. Après tout, nous avons tous le même objectif, préserver le libre arbitre. Désolée, je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Ah, c'est rien. Alors, il te donne du mal ? Le logiciel de traduction est un peu faiblard. Tu as dû remarquer qu'il reste encore de l'italien, j'en suis désolée. T'inquiète pas, la machine d'Abstergo n'était pas parfaite non plus. Quant aux sous-titres, ça aide vraiment beaucoup.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir si tu as conservé tes aptitudes. Viens. Les types d'Abstergo nous cherchent. Ils ont plus de ressources et sont mieux équipés. Et d'ici peu de temps, ils auront découvert cet endroit. On doit être prêt à les accueillir. Pour le moment, je veux que tu actives les systèmes de défense de l'entrepôt. Je te laisse trouver un moyen d'atteindre les senseurs. Sois sympa, donne-moi un indice. Ouvre les yeux, Desmond. Me voilà, là-bas. Lucie, je vois des choses. Tes hallucinations durent-elles plus de 30 secondes? Non. Dans ce cas, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Alors, je m'en sors bien? Tu as réussi à t'approprier toutes les aptitudes d'Ezio. Ta capacité de rétention est impressionnante. Encore un jour ou deux et nous sommes prêts. Ok, maintenant dis-moi, pourquoi Ezio? Pourquoi l'Italie? On aurait très bien pu faire la même chose avec Altaïr. Le suivre dans ses premières années? Ça a commencé avec le sujet 16. Ah, ce bon vieux sujet 16. Tu sais qu'il a repeint ma chambre? Avec son sang. J'ai consulté son dossier. Vidic s'est concentré sur des sessions en particulier, sur certains de ses ancêtres, à des dates et des lieux différents. Comme l'Afrique ou le Moyen-Orient, mais en fin de compte, il est devenu obsédé par l'Italie. Je crois qu'il savait pour le sanctuaire. Certains enregistrements de ces sessions ultérieures ont disparu. Quant à celles dont nous disposons, après tout ce que les Templiers lui ont fait subir, après tout ce que moi-même je lui ai fait subir, elles sont endommagées. Si nous n'avions pas été aussi loin avec le sujet 16, nous aurions déjà des réponses. Et il serait toujours en vie. Alors vous cherchez le Codex et le Sanctuaire. Je savais qu'un de tes ancêtres en Italie avait été mêlé à tout ça. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. Tu devrais te reposer. Lucie, tu n'es pour rien dans la mort du sujet 16. Tu étais leur prisonnière, comme moi. Merci. Bonne nuit, Desmond. Merci d'être là. Je rêve. Qu'est-ce que c'est? Mais où suis-je? Mais c'est... Acre.
trahir. C'est pas vrai. Je suis même pas dans l'animus. J'ai dû m'évanouir. Et là, faut croire que je suis en plein cauchemar. Faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas dormi. C'est pas très surprenant. C'est sûrement sa cible. C'est la fille d'Acre. C'était quoi son nom? Maria, c'est ça. Je me demande ce qu'il lui veut. Wow, bon, je m'attendais pas à ça. Une seconde. Je ne devrais pas suivre Altaïr. Je suis coincé ici avec Maria. Oh merde. Ça veut dire que... Il est vraiment bizarre ce rêve. Désolé de faire irruption comme ça, mais il est tard et on... Eh, ça va? Ouais, ça va. Un mauvais rêve, c'est tout. Tant mieux. Je te laisse te préparer. À tout de suite. Ah, tu es tombé du lit ou quoi? Désolé, mauvaise nuit. Fais attention, ton professionnalisme te perdra. Fous-lui la paix. Désolé, mais on a du pain sur la planche et ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Tu comprends ça? Sean! C'est bon, ça suffit. Très bien. Salut. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est bon, tout va bien. T'es sûr? Nous avons perdu 2 équipes cette nuit. 8 de nos agents sont... morts. Désolé.
Je sais plus quoi faire. La situation empire de jour en jour. Hé, hey, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Il faut garder espoir. Et regarde, on est là, sains et saufs. Pour combien de temps? Et s'ils nous trouvent, tu parles. Quand ça arrivera, si ça arrive, on verra. Je vais te protéger. Très bien. Il est temps que je me ressaisisse. Faut que je me mette au travail. Et toi aussi. Je vais bien, je t'assure. Promis. Désolée, Desmond, mais je dois archiver ces rapports.